Alors, bonsoir. Le prochain prix est décerné à un couple extraordinaire qui s'est distingué par ses activités bénévoles et philanthropiques à l'endroit de l'université. Il me fait vraiment très plaisir de vous présenter le juge Raoul Barbe et Yolande Larose-Barbe, récipiendaire du prix Fidélité à l'Université d'Ottawa. Le juge Barbe a connu une brillante carrière. Diplômé de la section de droit civil en 1962, il a aussi été professeur à la faculté de 1963 à 1971, avant de poursuivre une carrière de légiste au sein du gouvernement du Québec et d'être nommé juge à la Cour du Québec et au Tribunal des professions. Auteur prolifique et décoré de la médaille du Barreau de Paris, la section de droit civil lui a décerné l'Ordre du mérite en 2007 en reconnaissance de sa contribution remarquable à l'avancement du droit ainsi que son engagement et sa participation à la promotion de son alma mater. Son épouse, Yolande Larose, est une érudite et intellectuelle, diplômée de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa, en plus d'avoir une formation en éducation, en art dramatique, en chant classique et en droit. Le couple Barbe se distingue parmi les donateurs et donatrices de l'Université d'Ottawa par sa vision de la philanthropie et son engagement envers la mission de recherche universitaire et la francophonie. Monsieur le juge, Madame Yolande Larose, vous êtes un véritable modèle de générosité et d'engagement pour toute notre communauté. Félicitations à vous deux. Mon histoire avec l'Université d'Ottawa commence en 1959. J'avais 21 ans. À l'époque, mon modèle était Lester B. Pearson. Il venait de remporter le prix Nobel de la paix en 1957. Je finissais mon cours classique et j'ambitionnais, moi aussi, de devenir un grand diplomate et je me disais que l'endroit idéal serait d'étudier à Ottawa, où se trouvaient les affaires extérieures. L'université m'a donné les bases dont j'avais besoin pour bâtir mon avenir, des bases solides et de haut calibre. Je suis heureux d'avoir été capable, grâce à un milieu d'études stimulant à l'université et à mon travail acharné, de me bâtir une belle carrière dans le monde juridique. Et c'est pour cette raison que ma femme, Yolande, et moi sommes fiers de pouvoir redonner à l'université ce que nous avons reçu, en fait. Un conseil aux étudiants d'aujourd'hui: travaillez fort, posez des questions à vos professeurs, soyez curieux, tissez des liens, profitez de chaque moment à l'université et impliquez-vous auprès de votre université. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire et soyez fiers de votre université. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.